Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre un nouveau tour de magie qui s'intitule Les Quatre Chambres. Alors, l'histoire se déroule dans un hôtel où il y a quatre chambres. Dans chaque chambre, il y a un as. Les as sont accompagnés de rois. Et les rois sont accompagnés de dames. Et les dames accompagnées de valets. Ouais. Sauf que dans l'hôtel, il y a une coupure de courant. Il n'y a plus d'électricité. Et les quatre chambres, les quatre habitants des quatre chambres, décident d'aller voir ce qui se passe dans la cave. Ils se rassemblent donc dans la cave. Mais dans la cave, ils se disputent, se divisent en deux clans, puis redeviennent amis. Et se disputent une nouvelle fois en deux clans pour finalement remonter dans leur chambre. Mais lorsqu'ils vont remonter dans leur chambre, il va se passer quelque chose d'étrange. En effet, les quatre as sont retrouvés dans la même chambre, les quatre rois pareil, les quatre valets aussi, et enfin les quatre dames aussi. Voilà. Donc, maintenant on va passer aux explications. Alors, le tour de magie est vraiment très très simple. Voilà. Donc, vous aurez besoin de 4 as, de 4 rois, de 4 dames et de 4 valets. Vous allez donc placer les 4 as dans chacune des chambres, puis les rois, ensuite les dames, pour finir, les valets. Vous allez ensuite, avec cette petite mise en scène que je viens de vous faire, les retourner comme ceci, et dans l'ordre qui va suivre, c'est-à-dire 1, 2, 3 et 4, vous allez les rassembler. Voilà. Ensuite, vous allez les partager en deux. Vous allez partager le paquet en deux. Puis repartagez une nouvelle fois le paquet en deux. Et vous allez tout bonnement replacer les cartes dans le même ordre. Comme ceci. Une, deux, trois, quatre. Et vous allez voir que les chambres vont se rassembler par famille. Comme ceci. En fait, c'est mathématique. Il n'y a pas vraiment d'explication, voilà, c'est mathématique et c'est bluffant. Donc je conseille ce tour pour les débutants, il est vraiment très bien et très époustouflant. Voilà, j'espère que le tour vous a plu et je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Au revoir.